Ah. On récapitule, Jalil. Votre associé, Tchorban, il vous a menacé? Eh bien, non, pas exactement. Mais il veut me voir. Je crois qu'il va me tuer. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Mais Tchorban va me tuer si je pars d'ici sans protection. Je ne peux pas vous aider, sauf si vous me donnez un peu plus d'éléments. Je ne peux pas... Bonjour. Mais vous n'êtes pas du SSC? Vous voulez quelque chose? Qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure? Mon collègue essaie de me tuer. Moi qui le prenais pour un ami. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il a changé. Il ne m'adresse plus la parole et... il a commencé à me suivre. Hier, il m'a suivi durant tout le trajet, jusque chez moi. Je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu. Mais il était là, attendant une occasion. Je me moque de ce que pensent les autres. Je sais ce qu'il essaie de faire. Il veut se débarrasser de moi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Parler à votre ami, peut-être? Vous accepteriez? C'est tout ce que je demande. Que quelqu'un lui parle. Dites-lui de me laisser tranquille. Il croit qu'il peut me marcher sur les pieds. Mais vous allez lui montrer un peu, hein? Dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir. Très bien. Il voulait me rencontrer en bas, dans les secteurs près des Halles. Pour discuter, qu'il m'a dit. Mais ça ne prend pas. Il s'appelle Tchorban. C'est un galarien. Je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis. Tchorban, c'est le galarien qui voulait que nous scannions les veilleurs, non? Les veilleurs? Encore une bonne raison de l'arrêter. C'est illégal. Bon, je vais voir ce qu'il manigance. Venant de Tchorban, plus rien ne m'étonnerait. Bonne chance alors. Bonjour, commandant. Le SSC nous a dans le collimateur. Pour eux, tous les Cariens sont des mendiants et des voleurs. Il y a toujours un ou deux civils autour de l'académie pour venir se plaindre auprès des officiers.
la première fois que j'ai mis les pieds à la citadelle, les officiers m'ont cuisiné pendant 3 heures avant de me laisser accéder au secteur. Le SSC nous a dans le collimateur. Pour eux, tous les cariens sont des mendiants et des voleurs. Hey, je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, non? J'étais sur Mindoir pendant le raid. Je vous ai vu en holo quand vous avez reçu votre médaille. Vous avez sauvé toute la colonie. On dirait que vous avez un fan. Désolé, mais je n'en reviens pas de vous rencontrer en chair et en os. Je m'appelle Lang, officier Eddie Lang du SSC. C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Vous voulez quelque chose? Vous connaissez un officier du SSC nommé Harkin? Je n'ai pas trop le droit, commandant. Il est là depuis bien plus longtemps que moi. Mais j'ai entendu des trucs. Vous voyez? Il picolerait en service. Il prendrait des pots de vin, ce genre de truc. C'est juste des rumeurs, hein? Mais bon, il a été suspendu, donc il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, quand même. Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement occupé. Alors à plus, commandant. Si vous vous sentez en veine, vous devriez faire un tour au casino, à l'électron libre. Commandant Shepard! Excusez-moi, commandant... Emily Wong, journaliste. J'enquête sur les problèmes de corruption dans la citadelle. Vous avez récemment éliminé un certain Fist, membre influent d'un réseau criminel organisé. Avez-vous trouvé des preuves dans son bureau? Quelque chose qui pourrait m'être utile? Jetez un œil à ces DSO, ça devrait vous plaire. Vous avez les dossiers de Fist? Alors ça risque de faire du bruit. Tenez, commandant, pour votre bonne volonté. Sur ce, je vous laisse. Je dois aller voir ce que contiennent ces disques.
Commandant, je ne pensais pas vous revoir. Vous voulez quelque chose? Vous allez me déballer la vérité, Chorban. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mes expériences sont... Ça ne prend pas. On a eu une petite discussion avec Jalid. Vous avez discuté avec Jalid? Alors il vous a parlé des données? Non. Mais je vous sens bien parti pour le faire. C'est bon, allez-vous-en. Changement de plan, on dirait. Au final, on ne fait rien de bien méchant, commandant. Jalid et moi, on a un peu joué avec le feu, c'est tout. Continuez. La société où on travaille a développé un procédé expérimental pour scanners médicaux. Mais Jalid et moi, on voyait plus loin. On a volé des plans pour développer un appareil capable de scanner les veilleurs. Vous imaginez des informations sur les veilleurs? Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Les veilleurs sont pour ainsi dire impossibles à scanner, et on ne peut pas les capturer ni en obtenir des échantillons. Ils s'autodétruisent. Malgré les siècles passés ici, on ne sait toujours rien d'eux. Vous ne voyez pas? Personne ne les avait jamais scannés jusqu'ici. Personne. Vous en avez été témoin, commandant. Nous pouvons y arriver. Pourquoi vous voulez tuer votre associé? Non, je n'ai jamais voulu le tuer. Jalid devait faire connaître nos résultats initiaux. Mais il a décidé de garder ses données pour lui. Ou peut-être de les vendre, j'en sais rien. Je devrais vous tuer tous les deux. On a perdu la tête. On ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-là. Commandant, si vous continuez à scanner les veilleurs, qui sait quelle découverte nous ferons? Et bien sûr, vous serez intéressé aux bénéfices. Si c'est pour donner un coup de pouce à la science, je ne peux qu'accepter. Parfait. Tant qu'à faire, vous pourriez peut-être parler à Jalid. Sans lui, je ne peux rien faire des scans. Il faut qu'il m'aide à les analyser. Je vais le voir tout de suite. Merci, commandant. Bon scan. Certains Cariens se sont rendus ici au cours de leur pèlerinage, mais leur description des secteurs était bien loin de la réalité. Bonjour. Bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise? Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits. Vous allez voir. Rebonjour. Vous avez trouvé Chorban? J'ai découvert que vous m'avez menti, Jalid. Quoi? Mais comment ça? Pourquoi je vous mentirais? Vous avez oublié de parler des données concernant les veilleurs. Oh, il vous en a parlé? Ce n'était pas du tout prévu, ça. J'avais peur que Chorban me tue pour récupérer les données. Et donc, enfin, j'espérais que vous vous en chargeriez à ma place. Je scanne les veilleurs pour Chorban, mais arrêtez de vous étriper. Vous nous aidez? Mais... Enfin, si vous le dites. Bon, si Chorban peut passer l'éponge, eh bien moi aussi. Merci pour votre aide, commandant. Je vais faire analyser ces données. Thank you.
Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. J'en prendrai grand soin, capitaine. Je sais, commandant. Répondez-moi franchement. Pourquoi vous écartez-vous, capitaine ? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a 20 ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise ? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer ? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le Conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Sa reine ne s'en tirera pas cette fois. Sa reine s'est envolée. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système féroce juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs la véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le Conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéines. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemis Tau. Alors cap sur Artemis Tau. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. Sa reine, j'en fais mon affaire. À vous de gérer les retombées politiques. Ce n'est pas exactement la réponse que j'attendais, Shepard. Souvenez-vous, spectre, certes, mais humaine avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Oui, commandant ? Comment ça va pour vous ? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous, vous pouvez arrêter sa reine. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici.